où se succèdent les voyages de l'astro-croiseur Enterprise, dont la mission est d'explorer d'étranges mondes inconnus, de rechercher de nouvelles formes de vie, de nouvelles civilisations, de pénétrer hardiment des domaines où nul homme, nul terrien n'est encore allé. Contrôleur d'approche, ici Enterprise. Prêt pour manœuvre d'arrimage en dock. Enterprise, autorisation d'arrimer. Neutre. Tout système neutralisé. Spatiodoc, à vous de jouer. Nous prenons les commandes, Enterprise. Laissez-vous vivre et soyez les bienvenus. Ici Enterprise, confirmé. Ce que je vois. Mes amis, la grande nouveauté expérimentale, l'Excelsior. M'emmener sur la terre promise, Kirk? L'amitié s'éloigne. Noble Seigneur, nous sommes les survivants d'une expédition perdue. Cette planète s'autodétruira dans quelques heures. En fait, l'opération de Genesis est un échec. Comment? Spatio-croiseur Enterprise arrive en section numéro 4. Nord-Ouest est attendu au dispatching des spatio-navettes. Stagiaire en salle de décompression à 18h, niveau T, porte 218. Première spatio-navette, tout en pleine puissance. À vos ordres. Estimation distance Genesis 2.9 heures, vitesse actuelle. On peut garder cette vitesse, peut-être? Oui, nous avons trouvé notre second souverain. Scanning pour astronef ennemi. Scanning négatif. Commandant, ici Saavik. Vous me recevez? Oui, Saavik, j'écoute. Nous avons trouvé la forme de vie. C'est un enfant vulcain. Il a apparemment, disons, entre 8 et 10 années terrestres. Enfant? Comment est-il arrivé là? Le docteur Marcus est d'avis que ce qui a eu lieu, c'est que l'effet de Genesis a mystérieusement régénéré le capitaine Spock. Bruno, Enterprise's captain. Les scènes ont été filmées le dimanche 29 août 2010, entre Valras et Gruissant, avec un iPhone 4G. Montage sous iMovie HD, sur Mac Mini 2 GHz et 5 Go de RAM. Sur une idée de Pascal Romain.